Salut à tous et à toutes, c'est Balz et Fun, je trouve, pour un nouvel épisode sur The Walking Dead. Où Lee venait de s'enfoncer dans les égouts. Et je me demande ce qui va se passer maintenant. Attendez, je vous décolle un peu, vous dépassez un peu trop sur l'écran. Ils savent peut-être pas descendre. Ce serait pratique. Wow. Clementine, can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Super. Shit. Ok, bon bah let's go, hein. J'ai pas des masses de choix. Ah, c'est joli ici, hein, cosy. Attends, y a rien par là? Non, on peut pas y... on peut même pas y aller, donc y a rien, je pense. Bah, t'as pas le choix d'avancer là pour le coup. Pff, espèce de pas doué. Ouais, effectivement, c'était pas une super idée de toucher ça. Salut. J'entends des rôdeurs, mais... Oh! Ça va, apparemment ils sont trop occupés. Tournons-le par là. Mais comment je fais moi maintenant? Ah, je peux aller par là. Yay! C'est ça! Bon! Et maintenant, si je vais là, y'a quoi? Oh merde, non mais je suis con! Ah, je dois me tout retaper. Ah. Bon, cette fois-ci, on va la tourner de l'autre côté, hein, la manivelle. Ah, mais... Bon. Flouf, 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 flouf. Ils kiffent l'eau, les rôdeurs. Shit. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Ow. Mais Lee, déjà t'arrêtes de faire ton handicapé. Sinon je mets mon curseur sur ton entrejambe, fais gaffe, un jour je suis capable. Bon. Et donc techniquement je vais pouvoir je vais pouvoir le mettre là-bas. Ouais. Si, j'ai compris. Yep.
dans ce sens. Là, je sais pas trop pour le coup. Oh merde, non, c'est ici. Cours, Lee. Lee. Dans le petit trou là, personne te verra. Je t'assure, c'est trop petit. Les monstres sont trop débiles. Bon, je les laisse passer. Voilà. Merde, j'en reste un. Là-bas. Oh, c'est Chuck. Oh my God. Chuck, he must have tried to hide out down here. Poor bastard. Oh, Chuck. No bullets. He must have saved the last one for himself. You deserve better, old man. Je sens pas. Wow, 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 putain, ça m'a fait flipper. Oh, oh. Dégage! Go, God damn it. Non, mais lui, t'as pas dessus. Mais non, mais. Fuck. Mauvaise idée. Oh, la mauvaise idée de merde que j'ai eue. Mais ouais, bien sûr que ça avertit les rôdeurs, c'était pas ce que je voulais faire. Non, c'est pas juste, je veux pas mourir. Non! Non! Putain, pourquoi j'ai en fait, je pensais que c'était l'autre truc qui allait servir, c'était de la logique. Oh, espèce de teubé. Quel con de s'être servi de son arme. Moi, je me sers du bon truc cette fois. Dégage. Ok. Merde, non, mais te sers pas de ton arme. Bon, attendez, je vais me jeter sur les rôdeurs, comme ça ils vont me tuer. Salut, tue-moi s'il vous plaît. Merci. Ce sera l'épisode où j'aurai le plus de morts possiblement actifs. C'était plus un suicide qu'une mort. Hein. Mais non, mais parce qu'en fait, je veux aller trop vite et je fais pas gaffe. Mais en fait, il y a deux trucs, vous voyez. Je vois, je clique sur le premier, genre par logique. Donc, je vais me servir de d'autres trucs pour pas les alerter, moi. Bon. Attends, je sélectionne la bonne arme. Voilà, c'est ce que je voulais faire dès le départ. J'avais même pensé avant de voir qu'il y avait le choix de sélection. Ah, une échelle. Bah, pourquoi tu es handicapé? Même si j'utilise ça. Ok, mais avec l'échelle alors. Non, il n'y a vraiment pas moyen, tu veux pas utiliser l'échelle? Ok. Je peux pas y arriver. What the hell? Ah, attends, y'a un trou derrière. Oh. Un trou! Ah! Vas-y, va dedans. T'attends quoi? Ma voix, elle va dedans. Bon, loading, mais je continue, hein. Ça fait 10 minutes que je tourne, alors... What the hell? Must have been one of those old nuclear fallout shelters. Ah, cool! Look at all this. It's enough to keep people alive for months. Je la sens pas, cette porte. Oh. Who are you? It's all right. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford.
If he goes back there and they find out we're Non, j'aime pas de Crawford. Are you from Crawford? Hey, don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here? I'm sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. I'm not from Crawford, but I saw what they did up there. It made me sick. I'm not like them, and I don't think you are either. I think you're a good man. Keep back, or I swear I'll shoot. It's all right. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Relax. I'm not here to hurt you. Ok, il me fait un peu penser à Kenny, lui. Il ressemble, je trouve. You're really not from Crawford? No. No, I'm really not. Well, we are, or were. We got out of there when they started sealing up the place, you know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? A morgue? Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? A few of us got boxed in by walkers up on the street. Came down here trying to get away. Now I just want to get out of here. Get back to my own people. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Look, sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter, too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. Yeah. Ouais. Merci. Il va penser à Kenny, lui. C'est bizarre. C'est un Kenny Black. Yay. Bon, je vous laisse à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve dans mes prochaines vidéos. Ouais, bye bye.